J'ai eu celle-là. Les autres se sont enfuis. Merde! Montez la garde au cas où ils reviennent libérer le reste. Je vais ramener celle-là. Compris? Les autres... Lâche-moi, sale porc! T'inquiète pas. Bientôt. J'ai besoin de silence. Tuez tous les intrus. Bon sang. Qui sont ces gens? Je dirais... des esclavagistes à vue de nez. Des esclavagistes? Ils capturent des gens. Et les vendent comme du bétail. C'est vrai. Mais ça ne nous arrêtera pas. Ça va, tu n'as rien? Non, je crois pas. J'aurais pas dû venir ici. Mais ils sont prêts à tuer. Pas de temps à perdre. Bon sang. Ah, j'espère que Milo a raison. On peut pas se permettre de perdre plus d'hommes. Ça en vaut la peine. On lui a fait confiance jusqu'ici. Réveille-toi! Hé, est-ce que ça va? Tu fais massacrer celui qui a fait ça.
Ils sont par ici! Faites vite! On fait quoi, Amicia? Tous avec moi! Par ici! Ils nous ont vus! Les salopards sont là! Des intrus! Permet de renverser le compte, je suis prêt à en payer le prix. Le compte sait pas qu'ils veulent lui faire du mal. Il sait comment fonctionnent ces gens. Si on devient riche, en voilà d'autres. Le Milo nous fera monter en grade. Compte pas trop là-dessus. Il préfère tout diriger. Et s'il a encore plus de pouvoir, ça risque pas de s'arranger. C'est pas faux. Mais même des billets d'or, ça reste de l'or. C'est eux, ça. Mais pourquoi il y a des esclavagistes? Pourquoi ici? Il y en a partout. On a de la compagnie. Comme les traîtres et les assassins. Tu sais que les gens comme ça existent, Hugo? Oui. Par ici! Arrêtez-les! Ils savent qu'on est là!
les deux. Je crois. Pour l'instant. Pour l'instant. Je sais. Cette porte semble être bloquée depuis longtemps. Eh ben, on va devoir la débloquer. Oh, ça bougera pas. Ouais, va falloir pousser très fort. Voyons ce que ça fait. Elle soulève un lustre. Et pas un petit. Il a l'air sacrément lourd. Cette chaîne a l'air de tenir bon. Espérons que personne n'a entendu.
Amicia, pourquoi il y a des esclavagistes? Pourquoi ici? C'est simplement la malchance. Pas seulement. Ils les ont laissés venir ici. Bon, on a une corde ici. Sophia, tu peux t'en occuper? Avec plaisir. Effectivement, on doit partir. Bien d'accord. La foire est juste devant. Parfait. Pourquoi j'ai pas vu les esclavagistes dans mon rêve? Les rêves montrent rarement toute la vérité. Mais il m'a menti pour m'amener ici. On était censé être guéri. Ce que les rêves ne donnent pas, il faut le prendre soi-même, Hugo. C'est fatigant, mais c'est la vie. Essayons par là. C'était tellement beau ici. Ça peut toujours l'être. Je sais pas. T'as vu ça, Hugo? Une plume. Laisse-la. Pourquoi? Elle est belle. C'est une plume de corbeau. C'est un oiseau qui fait peur. C'est un oiseau rusé. Il fait croire qu'il porte malheur. Oui, pour que les gens le laissent tranquille. Ils ne font pas plus peur que les gens. Tu devrais me voir au réveil. Je suis terrifiante. Grimpe. Allez, monte. D'accord. Fais pas. Ce sera bientôt fini. Marre de ces conneries. T'as un problème, Gaz? Non. Ces bestioles sortent du sol pour nous bouffer. Nos esclaves se sauvent. Et maintenant, tu gaspilles le reste pour cette folle de comtesse. Faux. On travaille plus pour elle désormais. Tout est dans les fresques. Les rats annoncent la venue de l'enfant. Et Dieu a vu comme ils ont les crocs. Alors c'est très simple. On les nourrit, on aide l'enfant, et on pourra régner à ses côtés. Et alors le comte se jettera à nos pieds. Et le monde entier avec lui. Alors dis-moi, combien d'hommes les rats vont dévorer en attendant ton miracle ? Jamais vraiment eu la foi. Mais je te prierai d'arrêter d'avoir votre vie. Sors. D'autres volontaires? Bien. Commençons. Le sang mènera l'enfant jusqu'à la chapelle. Notre cher Diaz aura l'honneur d'ouvrir la voie. Foutu fanatique. On ne peut pas les laisser comme ça.
et je les tue plus vite que toi. Je t'interdis d'attaquer les gens tout seul. Tu m'écoutes et tu fais ce que je te dis. C'est compris? Je m'en fiche. De toute façon, ils sont déjà tous morts. Hugo! Oh, bordel. Hugo, écoute! Oh, Hugo! C'était quoi, ça? C'est de la folie! Tu ne m'as jamais dit... Dis quoi? Oh, à propos, mon frère contrôle les rats et les utilise pour dévorer les gens. Tu serais parti en courant. Et moi, je voulais pas. C'était mal, oui. Mais je pensais que cet endroit nous laisserait une chance. Je croyais que tu n'aurais jamais à nous voir comme ça. Va parler à ton frère. J'ai besoin de temps. Oui, je comprends. Hugo, je sais que tu es en colère. Et je sais que tu voulais bien faire, mais tu es des gens, même des gens méchants. Ils sont tous comme l'Inquisition, comme Vaudin. Ils font ce qu'ils veulent aux autres. Et parfois, ils nous forcent à réagir, c'est vrai. Mais tu dois me laisser décider de ça, s'il te plaît. Tout ça, c'est pas juste. Je sais. Tout ça s'arrêtera quand on aura trouvé comment te guérir. Viens là. Je crois qu'on doit des excuses à Sophia. Sophia, je suis désolée. Et moi aussi. Oui. Eh bien, restons pas là. Est-ce que... ça va? J'encaisse le choc. Oui. Les rats. Oui. Qu'y a-t-il là-bas? Quelque chose. On monte. Seigneur, ils ont utilisé cet arbre pour attacher des esclaves. C'est souvent ce qu'ils font. Regarde. Oh, c'est... une poupée de chiffon. Il y avait un enfant ici. Charmant. Un enfant esclave? C'est possible? Non, c'est pas possible. Je suis désolée. Ils lui ont pris sa poupée. Tu devrais la remettre où elle était. Il a même pas pu l'emporter avec lui. Mais il s'est peut-être échappé. C'est ça le plus important. C'est vrai. Allez, viens, Hugo, allons-nous-en. C'est Milo. Il a dit que le sang montrerait à l'enfant le chemin vers la chapelle. Ça confirme qu'il y a quelque chose. J'ai peur de ce que c'est. Attention à la descente. Oui, je sais. Ah, ça pue. On va les laisser pendre encore combien de temps, ces cadavres? Ils sont là. Restez baissés. Jusqu'à ce que les rats reviennent. Et que l'enfant les suive. Ça pourrait prendre des années. Non, pas cette fois. Les rats sont là. C'est jamais arrivé toutes ces années auparavant. Milo a fait ce qu'il faut pour y parvenir. Et il a raison. Quelle folie. Restons concentrés sur Aelia et cette chapelle. La pauvre fille n'aura pas eu un destin très radieux. Armée, tu sais.
On a des
doivent être dans l'herbe. C'est eux qui font ça. Thank you.
laisser par ses mains au filet. Des visiteurs. Faut s'occuper d'eux. Ça vient d'eux, c'est sûr. Sophia, ton prisme nous serait utile. Ça brûlera sans problème. Remue-toi. Réduit en cendres. Je vais massacrer. Ils ont quelque chose à voir avec ça. Thank you.
réduit en cendres. Il a été assassiné. On a des intrus. Descends prudemment. Tout de suite. Voyons ce qu'il contient. Attention en descendant. D'accord.
Monte. Très bien. La danse, la musique, les fleurs, et les moulins. Hé, Hugo. Quoi? Je sais que c'est dur, mais tu dois rester avec nous. Oui,